Ça se passe bien avec ta grand-mère? Oui. T'es bien installée? Ça va. Et ta nouvelle école? Je prends deux bus. Et au niveau des cours? Franchement, elle a des super notes. Tant mieux. Tu t'es fait des nouveaux copains? Ils sont tous là, groupe. Mais ça va, ils sont sympas. Bon, c'est normal, hein. Ça prend souvent du temps, tu sais. Vous avez revu votre sœur depuis la dernière fois? Oui, j'y suis retourné, quoi. C'était il y a 3 semaines, un truc dans le genre. Et mais c'est galère pour y aller, parce que c'est loin de chez nous, quoi. Bon. Vu la gravité de ce que ta mère a fait, c'était à la juge d'instruction à qui elle revenait de statuer. On a discuté toutes les deux de ton dossier, et 14 ans, ça paraît quand même un peu jeune. Je lui ai dit que t'avais beaucoup de lucidité par rapport à la situation, que t'étais une jeune fille responsable. T'es d'accord avec ça? Oui. Ok. Non, mais parce que même si ça prend un peu de temps, il faut que tu te sentes prête. Toi, Marlène. Je suis prête. Vas-y, contrôle. Allez. Concentre-toi, Joe. Oh, c'est presque beau. Allez. Presque. Écarte. Bon, c'est bon, ça va toujours vite, par semaine. Vas-y, on y va. Tu les laves avant. Tous sont les jeux à tous. Marlène, oublie pas les affaires de ta mère, là. Je les mets dans le sac, là-haut, en dessous de la table. Attends, ma petite. Voilà. Ça va aller? Ça va aller? Viens. Mais non, mais je suis en train de faire un bonhomme. Arrête. T'as pas envie de nous faire un bisou? Il en faut que deux. T'as pas envie de nous faire un petit bisou? Non, il en faut que deux. Ouais, hop là. Arrête les bêtises. T'es chiant. Il y en a beaucoup trop, là. Mais non. Mais si, il y en a beaucoup. Mais non, allez. En fait, tu mangeras bien. Ouais. Ou alors, tu peux inviter le voisin? Quoi faire? Le voisin, on pourrait le ramener à la maison, non? C'est un bon âge, maintenant, il n'y a plus besoin de gars. On n'a plus besoin de gars. Ça ferait trop d'amour à donner. Voilà, voilà. Au moins. Je t'aime, chez toi. Prends un bisou. Fais-moi un vrai bisou. Voilà. Voilà. Tu vas lui dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Tu vas la voir, tu vas bien lui dire quelque chose. Tu vas venir? Elle peut pas, elle a honte. Dis pas ça, hein. Je l'aime, ta sœur.
Mais je n'ai pas fait des enfants pour aller les voir en frisant, c'est tout. Tu comprends? Je ne sais pas élever comme ça. Tu viens avec nous? Non. Pourquoi tu t'es maquillée? Comme ça. Tu sais, le truc qui était en bord de mer et tu voulais tout le temps que je vienne avec toi parce que t'avais peur d'y aller toute seule. Ouais. Eh ben, si tu veux, dans mon rêve, on était tous les deux dans la fusée. Là. Et tu vois, on rigolait et tout ça. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un petit poumon qui saute comme ça. Personne capte que dalle, quoi. Et là, bam, explosion. Et si tu veux, le truc décolle. Bam, tu me regardes. Puis tu me dis, mais j'arrive pas à tourner le volant. Alors qu'on allait s'écraser, tu vois. C'était bizarre, ce rêve. Ouais, mets la main sur le côté, s'il te plaît. Merci. Lola, je vais récupérer. Merci. Bonjour. Vous venez pour quelle famille? Deno.
Vous voulez ça? Oui. Vous avez bien noté le nom? Oui, de côté. D'accord. Donne tes trucs. Ce sera le casier 13. Hein. Il faudrait aussi la veste, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, quelle famille? Tes cheveux. Mais bah. C'est maman qui lui a fait ça dans le salon à l'ancienne. C'est court. Mais c'est bien, hein. Je voulais un peu plus court. Mmh. T'as toujours voulu être un petit gars, toi. Tu verrais la musique à l'écoute, c'est du rap de bonhomme, quoi. Vous avez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Et comment ça va, maman? Ça va. Disent que ça va être bon pour mon brevet. C'est cool. Ouais, franchement, elle a des super notes. Hein. Je suis fière de toi. Et t'as un petit copain? Une copine? Deux? Non. Avec l'autorisation, je vais venir te voir plus souvent. Écoute. Je suis ici pour un petit moment. Alors c'est important que tu fasses ta vie. Faut que t'aies des copains à tout ça. T'étais amoureuse de Mathéo. Pas de leçon à te donner, ça tu le sais. Moi aussi, j'ai envie de te voir tous les jours, mais ça va pas être possible. À partir de maintenant, il va falloir que tu comptes sur toi. Tu vas pouvoir faire ça? T'as des nouvelles, l'avocate, là? Je sais pas, il parle de requalifier les faits. Putain. Non, mais on sait pas, je sais pas, faut attendre, c'est tout. C'est ça. On s'en rend dingue, mais il faut attendre. Pardon, allez. Oh, ouais, putain, vous pouvez pas faire quelque chose, là? Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de conduire comme une pute? T'es obligé de conduire comme une pute avant les gosses, là? Tu te crois qu'il y a des familles d'ici, espèce de poufiasse? Stop, espèce de mal baisé! Vous calmez! Sinon, j'interromps le parloir et je vous mets un compte rendu. Assieds-toi.
Assieds-toi. Surveillante. Tu fais quoi, là? Surveillante. Putain, tu m'as pas redit tes conneries, là. Je veux plus que tu l'amènes ici. On a fini. Maman. Je suis pas prête.